et qui a une carrière riche d'entrepreneur, il y a plusieurs vies finalement. Et au milieu, vous avez Nevel Alexandre de Tech qui est la représentante de Farm Engineer, qui est délégué à la commission citoyenne, et qui a occupé dans mon raconté de la gouvernance. Alors Aurélie, je te laisse la parole. Merci beaucoup, Joël. Donc je suis Aurélie Detang, je fais partie du comité diversité d'IESF que j'ai rejoint en fin d'année dernière. Et j'ai déjà dans mon passé professionnel et été administratrice de société. Donc j'ai vécu la diversité au sein d'un conseil d'administration, en étant jeune, en étant une femme. Et je pense que ça a pu être fait de façon souple. Grâce aux travaux qui ont été menés pendant de nombreuses années, à l'engagement de personnes comme celles que nous avons la chance d'avoir aujourd'hui autour de cette table ronde. Donc, clairement, aujourd'hui, on a réuni pour vous un panel d'expertes de la question, avec Daisy Bourdet, Viviane de Beaufort et Valérie Cornetet. Merci, mesdames, d'être parmi nous. Donc, pour une gouvernance équilibrée, alors, moi, je pense que pour bien débattre, il faut quand même d'abord savoir de quoi on parle. C'est d'autant plus que parmi vous aujourd'hui, je pense qu'il y a une majorité d'étudiants, et la question de la gouvernance est peut-être un sujet qui est un peu éloigné de vos préoccupations aujourd'hui. C'est ce que je me suis dit d'abord, et après je me suis dit aussi, peut-être que tu te trompes, peut-être qu'en fait, c'est quelque chose dont ils font l'expérience assez fréquemment, parce que finalement, un bureau des élèves, n'est-ce pas une formation assez primitive d'un conseil d'administration ? Donc je suis très heureuse qu'on puisse partager ça aujourd'hui avec vous. Donc, moi ce que je propose de commencer par faire, c'est essayer de définir donner deux trois définitions. D'abord, qu'est-ce que la gouvernance ? Alors si aujourd'hui vous faites une recherche Google, tout bon site Google vous dira la gouvernance, ça vient de governance en anglais, terme qui a réapparu entre les années 70 et les années 90, ça dépend du site qu'on consulte. Moi, je suis beaucoup plus méditerranéenne et beaucoup moins anglo-saxonne. Donc, je vais vous ramener plutôt à l'origine grecque et latine du terme. Donc, gouverna ou gubernare, qui signifie en fait piloter. Et donc, aujourd'hui, c'est spécifiquement à la gouvernance d'entreprise qu'on va se rattacher. C'est-à-dire, on va traiter de tout ce qui est de l'organisation, du contrôle et du pilotage de l'entreprise. Et plus précisément, des aspects qui sont relatifs au fonctionnement du conseil d'administration, du directoire ou du conseil de surveillance. Donc le panel va revenir assez largement sur ces thèmes-là. Ça, c'était la première définition, gouvernance. Maintenant, quid de l'équilibre ? À nouveau, elles vont passer pas mal de temps là-dessus, mais je pense qu'il est important à ce stade de vous rappeler que d'un point de vue législatif, il y a une proposition de définition qui a été posée en 2011. Le 28 janvier a été promulguée, alors je prends mes notes pour vous la dire correctement, la loi relative à la représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des conseils d'administration et de surveillance et à l'égalité professionnelle, alors qui est plus communément connue sous le nom de la loi Copé-Zimmermann. Qu'est-ce qu'il faut en retenir ? En fait, qu'à partir de janvier 2017, dans les moyennes et grandes entreprises, alors ceci est défini clairement dans le cadre de la loi, dans les organes de décision que vont être les conseils d'administration, les conseils de surveillance, il faudra qu'il y ait au moins 40% de personnes du même sexe, donc au moins 40% d'hommes, ou au moins 40% de femmes. Donc, c'est pas la parité parfaite, mais c'est une avancée qui est considérable, parce qu'il faut savoir qu'en 2011, on était à peine à 20%. Et il est important d'étendre le débat au-delà des questions de genre, parce que nous verrons aujourd'hui que ce qu'on va appeler équilibre va dépasser très nettement la question homme-femme. Voilà, je pense que vous êtes équipés maintenant pour poursuivre cette table ronde. Je vous laisse la parole, mesdames, à chacune. Je vais vous demander en 5 minutes d'essayer de vous présenter, de partager avec nous ce qui vous a amené à vous intéresser à cette question, et peut-être quel éclairage vous allez souhaiter lui apporter principalement. Alors je vais commencer avec Daisy. Vous êtes avant tout une chef d'entreprise. Dites-nous tout. Je suis surtout profondément entrepreneur. Profondément entrepreneur, pourquoi ? Parce que je fais partie de cette génération de femmes
qui n'a pas eu à attendre les lois, les 12 lois sur l'égalité, sur la parité, de la loi Zimmermann. Et j'ai dû me battre personnellement pour accéder à la légitimité et la représentation que l'on peut se faire d'un entrepreneur, qu'il soit un homme ou une femme, avec ses compétences, ses savoir-faire, ses savoir-être, et non pas par le genre. D'autant que ma société était une société que nous avons créée avec mon époux en 1969. J'étais déjà mère de 3 enfants, l'aîné avait 9 ans, et le dernier 3 ans. J'ai donc cumulé toutes les difficultés que l'associé majoritaire, puisque j'avais 91% du capital d'une SA, un mari associé qui avait son secteur d'activité qui était un domaine commercial, et moi m'occupant de tout le reste, la logistique, les salariés, etc. etc. Nous avons créé cette entreprise parce que nous n'avions pas d'autre choix, il nous fallait exister et survivre financièrement, il n'y avait pas toutes les aides que l'on a aujourd'hui de façon pratiquement automatique. Et nous avons été très heureux de faire ces choix parce que 20 ans plus tard, c'était devenu une PME d'une centaine de salariés et de 12 points de vente que nous avons vendu en période de concentration économique de Pneumatique à une société extrêmement importante et je suis restée dans le groupe pour devenir le troisième personnage dans la hiérarchie du groupe qui avait racheté 350 PME avec pour mission de restructurer toutes les entreprises rachetées pour retrouver une identité commune à toutes ces PME et toutes ces TPE qui étaient dans un groupe et remettre en place tous les moyens humains et matériels pour redonner du sens à l'entreprise qui devait avoir une certaine homogénéité. J'y suis restée un an, le travail fut extrêmement difficile, la réussite était là au bout du chemin, mais j'ai préféré quitter le groupe qui m'avait racheté parce que j'estimais que leur façon d'être et ma façon de piloter ma PME n'était pas en adéquation avec mes valeurs. Voilà. Merci Daisy. Alors, Viviane de Beaufort, vous êtes professeure-chercheure à l'ESSEC. Vous avez fondé les programmes Women ESSEC, entre autres. Dites-nous en plus. Oui, moi, je ne revendique pas le titre d'expert sur la question de mixité. Moi, je suis engagée sur la question de mixité. Et cette petite nuance sémantique me permet de tenir des propos beaucoup plus libres que si j'avais la casquette d'un professeur-chercheur spécialisée en RH. Je suis juriste, je suis professeur de droit avant tout. Je garde d'ailleurs mon poste de professeur de droit. Je suis directrice d'un centre de recherche en droit et en économie sur la question européenne. Cet engagement sur la mixité, il est arrivé tardivement, comme très souvent chez les femmes de nos âges, parce que effectivement, on raisonnait plutôt compétences, parcours, tu travailles bien, donc ça va le faire. Et il est arrivé à titre personnel parce que ma vie de femme engagée dans une carrière et pas seulement dans un job a mangé ma vie personnelle, donc divorce, catastrophe, voilà, petite fille elle est toute seule, voilà, c'est la vie. Je le dis parce que c'est ma fille nous appelle, ma fille c'est une génération Y, hein, la génération Y. Elle nous appelle la génération divorce, hein, quand même le savoir. Et c'est très intéressant mais parce que ça veut dire que ces jeunes filles et ces jeunes femmes ont à cœur de réussir quelque chose et d'avoir de la liberté, mais de faire des choix et pas des sacrifices, je vais y revenir, parce que nous, on a fait des sacrifices. Ma deuxième prise de conscience, qui est plus macro et qui a fait que j'ai commencé à me dire « Attends, il faut que je fasse quelque chose, moi aussi, chacun sa petite pierre », c'est 2008, c'est le premier Women's Forum, où je rencontre tout un tas de femmes formidables qui ont des parcours super. Et comme on se parle très librement en général entre femmes, on s'aperçoit qu'elles ont toutes des angoisses, elles se sentent parfois en burn-out, elles ont l'impression d'avoir quelquefois sacrifié leur vie de famille, de ne pas avoir assez vu leurs enfants, de ne pas avoir fait des choix de partir à l'étranger alors qu'elles voulaient qu'eux. Et je me dis, bah non, on n'a pas fini. Donc c'est très vite un programme, parce qu'un professeur-chercheur, il est censé savoir chercher. Donc, il paraît que je suis peut-être chercheur. Ça tombe bien parce que je suis assidue pour ça, donc voilà, ça va. Quand le sujet m'intéresse, sinon, CF, la table précédente, je zappe. On ne fait pas faire ce que je ne veux pas faire. Donc voilà, mais l'ESSEC a fini par me laisser faire ce que je voulais. Donc, ça tombe très bien, puis ils sont très bons. Et je jongle avec tout un tas de choses.
Je n'abandonne jamais rien, j'ajoute des couches parce que je vais très vite et je suis assez créative. Et donc, quand je ramène, voilà, je fais des filets de pêche, puis je ramène des choses, ils me regardent, ils disent où est-ce qu'elle est encore celle-là. Et puis, 3 ans, 4 ans après, ils réalisent qu'en fait j'avais raison parce que je détecte les signaux faibles. Les signaux faibles, parce qu'en 2008, la mixité, c'était un signal faible. C'est entrepreneuriat féminin, et maintenant c'est start-upeuse, je vais peut-être y revenir après. C'est la question de la mixité dans les CA, j'ai fait partie de celles nombreuses et nombreux qui ont été consultées parce que cette loi a fait beaucoup de débats. Cette question de est-ce qu'il faut intervenir de manière, régalienne avec un quota dans un pays de culture latine, c'était bon. Maintenant c'est fait et ça paraît évident, c'était pas évident, mais allez-y, ça fait partie de nos combats. Et mon troisième bébé qui est plus jeune, en formation exec, c'est plus globalement, on a un tout peu parlé tout à l'heure, je m'appelle le femme et talent, en fait c'est la question de comment ces jeunes femmes, qui sont nos enfants génériques, qui sont donc a priori quand même plus libres, qui ont moins d'interdits sur la liste des métiers, sur les études qu'elles peuvent faire, sur comment elles vont se projeter dans le monde, qui sont aussi beaucoup plus lucides que nous, qui ont vécu avec le digital, qui sont des citoyens du monde, hein, c'est les Erasmus+, je les appelle, vont poursuivre non pas une carrière monolithique dans une boîte, mais faire des sauts sur le côté, partir un an en transhumance, faire un voyage, aller dans les cabinets de consultants, créer une start-up, repartir dans une grosse boîte ou pas. Se marier au Brésil ou pas, et privilégier la liberté et l'intérêt de leur job et de leur mission à ce que nous, on appelait une carrière. Et les trois, alors que ça paraît étrange, ont en fait une cohérence intime pour moi, parce que j'ai d'abord travaillé sur là-haut, les femmes et le pouvoir, parce qu'il faut quand même appeler un chat un chat. Hein, les conseils d'administration, c'est des instances de pouvoir, comme dans les partis politiques, comme dans les associations. Donc, le rapport des femmes au pouvoir. Les femmes et l'entrepreneuriat, c'est le saut de côté, c'est la liberté, mais aussi le risque et le coût de cette liberté. Et puis, les bébés, qu'est-ce qu'on fait avec nos bébés? Notamment lorsque, et j'étais ravie d'entendre ça tout à l'heure, il y a des connivences, des cohérences, des corrélations très fortes entre cette génération Y grecs et maintenant Z qui sont pour le moment sur le banc de l'école, les autres sont sortis, la trentaine, et les survivants. Alors, et je me dis, mais c'est qu'une idée comme ça, parce que je n'ai pas creusé la question, c'est peut-être qu'on leur a laissé plus de liberté et donc plus la capacité de s'exprimer hors des modèles, même si on est loin d'avoir réglé le problème en France, mais quand même, on tape quand même bien dessus là. Il faut continuer. Il y a effectivement chez les Y et les Z, peut-être beaucoup plus de surdoués au sens où on a pu l'évoquer tout à l'heure. Donc moi, je travaille sur toute cette population. J'ai fini par m'engager à titre perso, je coach 12 start-upeuses, ce qui est juste énorme. Mais parce qu'elles viennent me chercher et qu'elles ont tous des projets tellement bluffants que je ne peux pas ne pas leur dire « Ok, j'essaie de vous donner un coup de main. » Et que maintenant, je mobilise une communauté autour de moi parce que je suis une femme de réseau. J'ai monté mon réseau par engagement parce que je me suis aperçue que le jeu collectif, c'est beaucoup mieux que tout seul dans son petit coin, même si on se retrousse les manches et qu'on bosse 15 heures par jour, ou quel compris. Et donc, je suis en train de créer un club qui s'appelle Génération Startupeuse ou La Nouvelle Ère, où en fait, j'essaie d'apporter à des startupeuses, je fais de la discrimination positive, mais elles ont le droit d'être en couple mixte ou en duo mixte. Et en fait, je demande à toutes les femmes de mon âge qui ont des expertises en tout genre de venir aider un peu, d'apporter un peu et de créer de la valeur ajoutée collective. Et ça, c'est mon nouveau projet. Alors, ça s'éloigne du sujet de la gouvernance, pas du tout. Vous acceptez ça ? Oui, et ça s'appelle Woo/Men Expert. Bien sûr que oui, et j'en ai plusieurs déjà, notamment des billets, des business angels. Alors, très loin de la gouvernance, pas du tout. Parce que la gouvernance, c'est le gouvernement. Et je ne sais pas pourquoi en France, on ne parle pas plutôt de gouvernement d'entreprise comme on parle de gouvernement. Parce que quand on parle de gouvernement d'entreprise, alors, vous l'avez soulevé, Aurélie, ce mot gouvernance, c'est quand même un peu un espèce de truc,
un peu martien, un peu comme le lobbying, hein, parce que je suis aussi lobbyiste, c'est mon premier job. Gouvernement d'entreprise, ça veut dire des mécanismes qui vont exiger des dirigeants publics ou d'entreprises d'expliquer, donc c'est transparence, d'expliquer ce qu'ils font, d'expliquer pourquoi ils décident et d'être responsables de leurs décisions. Et maintenant, on ajoute et de consulter, parce qu'on est dans de la démocratie actionnariale et même de la démocratie participative. Et donc, finalement, les interpellations qu'on peut avoir sur la gouvernance ou le gouvernement d'entreprise, ben moi je dis que ce qu'on est en train de regarder dans les startups, c'est pour ça que je fais le lien là-haut en bas, et puis vous pouvez renverser la perspective, ce qui se passe dans les startups où il y a une gouvernance totalement mobile, agile, collective, mais quand même, quelqu'un qui décide, qui est en général le porteur, hein, le visionnaire, et ben ça pourrait inspirer très fortement nos grosses structures de gouvernance chez Orange, Engie, EDF, etc. Et c'est là-dessus que je travaille au travers de la mixité, parce que la mixité, c'est pour changer le modèle, c'est pas juste pour faire de la mixité. Merci beaucoup, Liliane. Effectivement, on reviendra tout à l'heure sur les questions aussi de, notamment du pouvoir. Alors, notre troisième panéliste, Valérie Cornuté, vous êtes ingénieure, administratrice certifiée et déléguée à la commission administratrice femme ingénieure. Tout à fait. Oui, merci beaucoup, je suis ravie d'être ici. Effectivement, juste un mot sur l'association, donc je fais partie effectivement de la commission administrative de femmes ingénieures. Donc femmes ingénieures est une association de femmes et d'hommes, même s'il n'y en a pas beaucoup, mais bon, également ouvert aux hommes, qui a deux missions principales. La première, c'est de promouvoir le métier d'ingénieur auprès des jeunes filles en collège, lycée, pour les inciter à aller vers les métiers de l'ingénieur et les métiers scientifiques. La deuxième mission, bah, c'est de promouvoir les femmes ingénieures au sein des entreprises, à la fois en exécutif et dans les comités de direction COMEX, mais également au niveau des conseils d'administration et de la gouvernance. On a des actions donc à la fois de lobbying auprès d'institutions politiques et à travers le monde, au même titre que Viviane. Je vais juste vous donner un exemple parce que c'est quand même d'actualité. Il y avait le Global Summit of Women cette semaine, en début de semaine. Donc, femmes ingénieures faisaient partie de la délégation française. Alors, le Global Summit of Women, c'est 1300 femmes à travers le monde, de 40 pays qui se rencontrent pour valoriser les femmes dans le milieu industriel, dans la société civile, dans le milieu politique. Et la délégation française, donc c'était 33 femmes, et qui était dirigée par Madame Muriel Pénicaud, donc nouvellement ministre du Travail, donc ce qui est, je pense, une très bonne, de bonne augure pour l'ensemble des femmes. Alors, juste pour revenir au débat, donc moi, je suis formation ingénieure, j'ai fait l'ELSA en 90, et j'ai 25 ans d'expérience dans de grandes entreprises et dans des PME, dans le monde industriel. Et par rapport même à la table ronde précédente, c'est qu'on n'arrive pas forcément toujours à trouver sa place. Et je me suis intéressée à la gouvernance depuis 2 ans, parce que j'ai été un peu mis de côté dans un grand groupe. Et j'ai une expertise en management de l'innovation. Et je me suis dit, bah, où parle-t-on d'innovation aujourd'hui? Et pas forcément en gouvernance, et pourtant, un des piliers et un des sujets de la gouvernance, c'est la stratégie de l'entreprise. Donc j'ai décidé, je pense qu'on va en reparler aussi, de me former aux compétences nécessaires à participer à un conseil d'administration. D'où ce certificat d'administrateur de société. Je suis retournée sur les bancs d'école, je l'avais déjà fait une dizaine d'années avant, pour pouvoir se remettre en cause l'agilité. Et donc je me suis intéressée à la gouvernance. Aujourd'hui, c'est vrai que je porte la mixité, la diversité dans les conseils d'administration avec cette double casquette, double compétence, ingénieur et femme, puisqu'on en parlera aussi sur l'intérêt d'avoir la mixité dans les conseils. Merci, Valérie. Moi j'ai noté un grand nombre de points assez intéressants, on va essayer de revenir en focus de façon un peu plus courte sur chacun d'eux. Alors Viviane, moi j'aimerais revenir sur vos travaux dans le cadre de Women Be European Board Ready. Aujourd'hui, les femmes ont des attentes
propres quand elles rejoignent un conseil, des motivations propres. Comment pourriez-vous décrire assez rapidement leur vision du conseil et leur rôle au sein de ce conseil? Oui, donc quand j'ai créé le programme Women Board Renew, donc qui est un programme certifié en BESSEC, sachant qu'on m'a beaucoup interpellée sur le fait que je dédiais cette formation aux femmes, donc la question c'était est-ce que discriminante, j'assume. Pour le moment, je suis discriminante, et on verra plus tard. Alors pourquoi? Parce que j'ai réalisé que ces femmes, au-delà de, tu l'évoquais Valérie, de compétences nouvelles ou qu'elles devaient, on va dire, restructurer pour se rassurer, actualiser, compléter, parce que quand on est juriste, évidemment, en finance, peut-être qu'on a des trous dans les mentales, elles venaient surtout se rassurer. Et qu'elles ne peuvent se rassurer que dans un espace où il y a une libre parole. Et donc, il fallait un programme, pour le moment, réservé aux femmes. Okay. C'est pas une posture sectaire, c'était juste réel. En parallèle, puisque je suis chercheur, en parallèle à cette formation, dont je suis la fondatrice et dont j'assume la direction, et qui est en fait mon laboratoire. Oui, en fait, ce sont mes cobayes. Mais j'aime beaucoup mes cobayes, hein, Nathalie. Je les aime, je les garde avec moi après, je les pousse dans les conseils, je fais tout ce que je peux pour les aider. C'est un engagement, je vois, je trouve. Et en même temps, comme ce sont mes cobayes, leur réaction me fait m'interroger, et du coup je fais des travaux en permanence, et l'un nourrit l'autre. J'ai donc en 2011 mené un gros boulot sur le rapport des femmes au pouvoir, en identifiant, et vous allez voir que je réponds très vite à votre question, qu'en fait elles ne formulaient pas le mot pouvoir, elles parlaient de responsabilité. Elles se sentaient responsables lorsqu'elles étaient nommées, alors on va dire à des fonctions exécutives un peu importantes, mais voilà. Et évidemment dans un conseil d'administration. Les femmes ont-elles des qualités ou des comportements particuliers dans un conseil d'administration versus la gender approach? Et je le fais en anglais parce que le mot est connoté en France, hein. Donc je préfère utiliser le mot anglais gender approach. Moi j'ai une explication un peu différente. C'est pas parce que ce sont des femmes qu'elles ont des comportements ou des attentes différentes dans les conseils d'administration ou qu'elles vont faire plus attention à certaines questions qui sont la RSE, qui sont les talents et l'humain, qui sont la pérennité de l'entreprise par rapport à des choix un peu sympas, hyper risqués de croissance externe et qui font 3 ans après la boîte peut se pendre, etc. Donc là, ce qu'on appelle le risk averse. Hein. Mon explication est la suivante, et on peut la contester. Et j'ai tiré cette approche-là de travaux qui ont été menés aux États-Unis sur les minorités ethniques quand il y a eu des quotas dans les universités américaines pour intégrer les minorités ethniques qui n'étaient pas là. C'est la problématique, et on en a parlé tout à l'heure, c'est un mot fort qui résonne chez moi, du minoritaire. Le minoritaire dans un espace, il arrive avec un complexe de l'imposteur. Donc, il va se poser des questions sur comment je vais prouver ma valeur. Et donc, il surtravaille. Et donc, il surprépare. Et donc, premier élément, elles arrivent avec dans les conseils, mais c'est aussi vrai dans les collègues scolaires et quand tu es directeur de business unit et quand tu es directrice d'un centre de recherche. Hein, en ayant surpréparé les dossiers parce qu'elles ont peur qu'on les attende de autre. Premier truc. Deuxième élément, comme elles étaient écartées jusqu'à présent de ces espaces de pouvoir, elles en ont une version idéalisée. Elles ont des attentes particulières. Elles pensent que le conseil d'administration doit avoir un rôle qui, effectivement, parce que pour le coup, je revendique une expertise en gouvernance depuis 30 ans, hein, voilà, et on va comparer entre la gouvernance allemande et la gouvernance américaine, voilà, ça, c'est un sujet d'expertise sur lequel je publie beaucoup. Un CA doit être une enceinte utile qui apporte de l'expertise, qui questionne le dirigeant, qui aide le dirigeant, parce que le monde est de plus en plus difficile. Or, en France, on a quand même une culture du pouvoir vertical de chez vertical,
Poser une question à un dirigeant est encore parfois vécu comme une insulte et une remise en question de soi. Alors, pour moi, c'est très largement un problème et on en parlait, hein, de génération, mais pour le moment, c'est cette génération-là qui est aux commandes. Je vous rassure, ça va bouger. Mais les voix y arrivent et ils arrivent en masse. Mais c'est un sujet. Et donc, en fait, ces femmes, elles viennent questionner, elles viennent avec cette, par exemple, un sens de l'éthique et du respect de la règle de droit, genre les petits compromis entre amis. Donc on les traite de psychologie. Elles posent des questions, donc on va les traiter, je vais être polie, d'emmerderesse. Elles vont parfois ne pas comprendre qu'il y a beaucoup de choses qui se traitent hors du CA, en genre one-to-one, et elles vont mettre le truc sur la table. Et donc, il y a des études américaines importantes, et en Australie aussi importantes, qui ont dit que finalement, la mixité dans les CA, c'était destructeur de valeurs, parce que parlez-moi d'être trivial, ça fait déborder. Et moi, je réponds, et c'est un sujet que j'ai beaucoup porté et que je continue à porter dans les interviews, en fait, c'est simplement la question de la capacité d'adaptation. Donc, pendant un moment, il va peut-être y avoir un petit peu de... Mais c'est à cette entité de s'adapter pour pouvoir utiliser, exactement comme on l'évoquait sur la table ronde précédente, la valeur ajoutée, les particularités, les comportements, les questions, les compétences spécifiques, la manière de voir spécifique de ces femmes, qui apportent de la diversité de genre, qui apportent de la diversité d'âge, 6 points de moins, et ça va aller en augmentant, et qui apportent de la diversité souvent de compétences parce qu'elles n'ont pas les mêmes parcours. Autrement dit, quand le dirigeant est un peu éclairé, et qu'il envoie les signaux de bienvenue et qu'il utilise, manage correctement son CA, mais finalement, ça peut prendre et apporter beaucoup de valeur ajoutée. Quand je parle de valeur ajoutée, je ne parle pas seulement du cours de bourse qui augmente, hein. Je parle de gouvernance plus pérenne, je parle de égo peut-être plus apaisé, je parle de manière de concevoir l'entreprise comme une collectivité sociale comme en Allemagne, de concevoir que les salariés c'est le capital humain et que c'est un capital qu'il faut préserver. Et finalement, les garçons s'y mettent parce qu'ils sont libérés et tout ça va très bien. À une seule condition, et c'est marrant, ce mot a été évoqué tout à l'heure, donc je l'utilise, c'est que surtout elles ne se suradaptent pas en tant que minoritaires, c'est-à-dire qu'elles ne perdent pas toutes ces qualités propres et ces manières de voir propres, qui est un risque réel, parce qu'elles restent des minoritaires et que donc c'est compliqué, la première phase qui est l'affrontement. Et donc moi, dans mes programmes, je les prépare à ça avec des coachs. Parce qu'il faut s'armer. Merci Lia, je pense que c'est un bon tour de la question et ça fait vraiment écho à beaucoup de choses que j'ai entendues lors de la préparation, notamment en discutant avec Daisy sur les questions de la responsabilité des membres du conseil d'administration, et on va y revenir un petit peu après. Mais alors, juste avant ça, moi je pense que ce que vous êtes en train de décrire finalement c'est une évolution des paradigmes, je prends même vos propres termes, vers finalement le pouvoir de faire, l'exercice d'un pouvoir collectif, vers l'intérêt général. Et j'ai envie de questionner Valérie, qui connaît très bien les ingénieurs, qui pourrait nous expliquer finalement en quoi elles sont parfaitement pertinentes pour pouvoir évoluer dans ce nouveau paradigme. Oui, merci. Effectivement, je vais un peu parler pour ma paroisse. Mais effectivement, le métier d'ingénieur est un métier du faire. Donc on est vraiment sur la capacité de réaliser, concevoir de nouveaux produits, de nouveaux services, d'être à la tête de projets, de voir de grands projets. Et on a cette culture vraiment de la réalisation et en plus du bien faire. Ensuite, il y a cette aptitude de travailler en équipe. Parce qu'un projet ou un travail d'ingénieur dans une société, c'est toujours un travail d'équipe. Et un conseil d'administration, c'est avant toute chose une équipe. Et une équipe qui va devoir prendre des décisions de façon collégiale, et de façon collégiale dans l'intérêt social de l'entreprise. Or, un ingénieur, il travaille en équipe, et l'intérêt pour l'entreprise, c'est l'intérêt du projet.
et on doit faire avancer le projet, on doit le faire aboutir. Donc vraiment des analogies très très fortes entre ces compétences qui sont pragmatiques, mais qui sont essentielles dans la vie et pour maximiser la performance du conseil. Et je pense que les présidents de conseil commencent à avoir cet intérêt. Également, je souhaitais rajouter que de plus en plus de sociétés sont celles qui évoluent dans un environnement technologique. Or, les ingénieurs ont cette sensibilité particulière aux sciences, aux techniques, à la créativité, à l'innovation, parce que ça fait partie de leur culture scientifique, des connaissances qu'on acquiert au fil de nos études et au fil de l'eau par des veilles permanentes, par cette curiosité intellectuelle scientifique. Et donc, ça veut dire aussi que vis-à-vis de ces sociétés technologiques, on est toujours dans l'objectif d'apporter de la valeur et de faire grandir l'entreprise en ne perdant jamais, et là je reprends une petite casquette de femme, le côté pratique, parce que on est des femmes actives, on est des femmes, des mères de famille, on gère beaucoup de choses et on est des citoyennes donc qui connaissons la vraie vie. Et ça, ce côté aussi apprend beaucoup au niveau des conseils d'administration. Et ce que je voulais juste ajouter, c'est que par rapport à une des missions principales du conseil d'administration, qui est de définir la stratégie d'entreprise dans la pérennité, les ingénieurs voient toujours aussi sur le fait de ne pas faire quelque chose qui ne reste pas. Au contraire, on a envie que ça reste, que ça évolue, que ce soit vraiment du concret. Et ça ramène vraiment une dimension très, très réelle dans le conseil d'administration, pour éviter d'être simplement dans des hautes sphères intellectuelles. Merci Valérie. Effectivement, donc on voit qu'on a un pouvoir collectif qui effectivement se traduit après par des réalisations réelles, mais avec le pouvoir vient aussi la question des responsabilités. Et donc là, c'est à Daisy que j'ai envie de poser la question. Est-ce que vous pourriez nous éclairer sur la prise de conscience des responsabilités, ce que ça veut dire d'accéder à un conseil d'administration, et aussi finalement, comment est-ce que l'actionnaire, le client de l'entreprise, le salarié peut palper les effets que peut avoir sur une entreprise le fait d'avoir une gouvernance qui soit équilibrée? Alors, si vous voulez, je vais intervenir plutôt sur la RSE pour parler de cela, parce qu'il m'apparaît fondamental. Déjà, je voulais dire que je suis d'accord avec nos deux intervenantes, parce que je considère qu'une entreprise, quelle qu'elle soit, petite ou grande ou moyenne, est un outil économique au service des hommes et du territoire. Si on n'a pas cette considération pour cet outil au service des hommes qui y travaillent et du territoire, je pense que l'on n'est pas un citoyen normal en tant qu'entrepreneur. Nous avons une responsabilité sociétale extrêmement importante et je suis heureuse qu'en 2010, c'est la norme ISO qui régit la RSE, c'est-à-dire la responsabilité sociétale des entreprises, et envahit le monde entrepreneurial en imposant cette question centrale et sept principes qui doivent impérativement être respectés pour faire en sorte que tous les salariés de l'entreprise se considèrent comme étant vraiment participants à l'entreprise à partir de ces sept règles et ces sept principes. Alors la gouvernance, c'est quoi? La gouvernance, c'est un conseil d'administration qui impulse une politique, une stratégie, qui confie à un CODIR ou à un CODEX la mise en place de la stratégie de cette politique, la surveillance de cette politique. Mais la gouvernance a aussi pour objectif de mettre en place les sept questions centrales qui commencent par les droits de l'homme, d'abord le respect des hommes à l'intérieur de l'entreprise, ses droits, le respect de ses droits, que fût-il un homme ou une femme, les relations et les conditions de travail au sein de l'entreprise, les relations à l'extérieur et les conditions de travail à l'intérieur, l'environnement et les dommages et la prévention des dommages que l'on pourrait causer à l'environnement en termes de tout l'environnement, c'est pas quelque chose que l'on peut toujours appréhender, mais il y a aussi l'environnement au travers des produits, au travers des flux à l'intérieur de l'entreprise, et l'environnement au travers des risques que court un territoire si l'entreprise ne se comporte pas à la réglementation. Il y a aussi la loyauté des pratiques, l'éthique, ça rejoint l'éthique de l'entreprise, la loyauté de ses pratiques envers ses salariés, envers ses fournisseurs, envers ses clients, d'une façon générale.
Il y a les questions relatives aux consommateurs, ne pas mentir aux consommateurs, dire quel est le produit que l'on vend, comment on le vend, pourquoi on le vend, quelles sont les attentes, à quoi correspond-il. Et il y a aussi les communautés et le développement local avec qui on doit travailler main dans la main pour justement confirmer notre appartenance au territoire et l'outil économique que nous sommes au service des hommes et du territoire. Ça, ce sont les questions centrales qui aboutissent. Je suis obligée de vérifier quand même parce que ce sont des règles d'une norme ISO 26000 et on ne peut pas faire n'importe quoi. Ça nous mène à quoi ? À 7 principes de la RSE qui sont, un, la redevabilité, c'est-à-dire la responsabilité de rendre compte. Et là, on fait appel à la transparence des décisions de l'entreprise, puisse à l'intérieur et à l'extérieur. Il y a aussi la transparence qui paraît au travers de la communication claire que l'on se doit, claire, opportune, honnête. Et les décisions et les actions ont un impact, et il faut le dire et ne pas occulter ces impacts. Il y a le comportement éthique fondé sur l'honnêteté, l'équité, l'intégrité et les valeurs de l'entreprise. Moi, la communication que je connais de beaucoup d'entreprises, c'est que souvent, ça communique sur des produits ou des façons de faire, mais rarement les valeurs sont mises en avant. Or, je crois que les Français seraient heureux, les Français et tous les clients dans le monde seraient heureux de savoir que l'entreprise porte des valeurs et que ça correspond à quelque chose que nous pouvons ressentir également. Il y a aussi l'intérêt des parties prenantes, il faut respecter l'intérêt de chacune des parties, parce que si personne n'y trouve son compte, ce ne sera pas une bonne relation, il faut que chacun trouve un intérêt à être partie prenante. Il y a le principe de l'égalité, pas l'égalité, la légalité. Il y a aussi les normes internationales et de comportement. Et il y a aussi surtout le respect des droits internationaux et des droits de l'homme, et la reconnaissance et l'importance de l'université. Vous vous rendrez compte que c'est difficile de diriger une entreprise. Et cela, on parle de la gouvernance qui existe au sein des grands groupes, des grandes entreprises, ou des PME qui ont un certain nombre de salariés. Imaginez la toute petite entreprise qui aimerait bien faire cela, mais qui n'en a pas les moyens. Et je pense que c'est à nous d'essayer, lorsque nous recevons, et c'est ce que je fais lorsque je reçois au travers de mon association, des candidats à la création d'entreprise, où je leur dis, n'oubliez jamais qu'avant toute chose, il y a aussi, à part la prise de risque que vous prenez en créant votre entreprise, il y a aussi tous vos engagements juridiques, sociaux, financiers, engagement vis-à-vis d'un territoire, engagement vis-à-vis de vous-même par rapport aux valeurs que vous portez, que vous devez impérativement respecter pour être dans la norme de votre personnalité et de vos exigences propres. Pas de compromission. On peut aller vers des consensus qui nous permettent d'avancer, mais sans compromission. Et tout cela est très difficile à porter parfois pour un chef d'entreprise. Merci Daisy, on crée une transition parfaite sur la dernière question de notre panel que moi également je vais poser à chacune d'entre vous. Alors aujourd'hui, le seuil de 40% que j'ai évoqué en introduction, dans les sociétés visées par la loi, on y arrive. Chez les côtés, ouais, exactement. Cependant, tous ici, nous sommes convaincus que la diversité et l'équilibre dépassent la simple notion de parité homme-femme. Et que si la loi a permis une progression qui est majeure, elle ne doit pas s'arrêter aux portes des conseils d'administration, mais elle doit propager ses effets positifs au sein des autres organes de décision de l'entreprise et finalement à l'entreprise dans son ensemble. Et j'aurais aimé que vous partagiez avec nous votre vision sur ce point-là. En quelques minutes pour conclure, c'est quoi ? Tenu par le temps. Déploiement de la loi Copé-Zimmermann et, by the way, sauvagerie du côté de la fonction publique qui rame un peu, mais j'espère que ça va s'améliorer. L'histoire de l'effet quota en France, c'était pour faire bouger les choses. D'accord. Ça a bougé. Ça a bougé parce qu'il y a plus de femmes, ce qui est aussi plus intéressant. Et je me permets de dire ça parce que, comme tout le monde sait, il n'y a qu'à regarder sur mes réseaux sociaux que je suis très engagée, je peux faire un pas de côté et reparler de la problématique des femmes, pourquoi faire.
Donc, des femmes pour apporter des compétences nouvelles, des femmes pour apporter un regard nouveau. Oui, c'est en train de se déployer. Alors, en mode vertical, dans l'entreprise, hein, c'est en train de se déployer doucement, mais ça s'accélère sur les Comex-Codir. Et désolé de prendre la défense des dirigeants d'entreprise, mais c'est normal que ça soit doucement, parce qu'on ne peut pas, de la même manière qu'aller chercher de l'extérieur des administrateurs indépendants, et donc féminiser les conseils, les COMEX et les CODIR, il faut que les femmes aient fait certains parcours. Et donc, en fait, on interpelle toute la problématique de la pyramide depuis le début du début. Et donc, quand il n'y a pas, c'est moche comme mot, mais j'en ai pas trouvé d'autres, de vivier, quand le vivier est rare, ben voilà. Mais je pense qu'il y a vraiment de très nombreuses entreprises, grandes mais aussi plus petites, parce qu'elles ont parfaitement pris conscience de l'intérêt de la diversité de genre, et que finalement, chez les plus petites, ça sera peut-être même moins compliqué, parce que les structures sont plus agiles par définition, plus plastiques. Il y a d'énormes efforts du début du recrutement à la rétention des talents, la réflexion sur de nouveaux modes de travail pour faciliter la question d'articulation des temps de vie. C'est encore insuffisant, mais ça bouge, et ça bouge d'autant plus vite qu'il y a des jeunes qui m'écoutent là, donc je leur parle à eux, qu'il y a la génération Y et la génération Z qui donnent des coups de pied dedans. Et que donc, femmes, jeunes, là, c'est même combat. Et c'est pas même combat contre les garçons vieux, pas du tout. C'est même combat aussi pour les autres, parce que les autres, il faut quand même regarder un petit peu ma génération, donc j'ai 57 balais, ils ont souffert, parce qu'ils avaient un modèle de carrière verticale, on leur a quand même pas mal foutu sur les épaules. Regardez encore ce qui se passe à l'heure actuelle quand quelqu'un dit « je prends mon mercredi pour garder mes gamins hein ». Bon, alors, ça va aller mieux, rassurez-vous. Les plus jeunes. Mais je veux dire, on est en combat permanent. Alors, déploiement sur les structures qui ne sont pas obligées, parce qu'il y a les prises de conscience. Exemple, toutes les startups que je coach, toutes les startups que je côtoie, et donc j'ai commencé à avoir une communauté importante, ou que, voilà. Quand c'est des filles, puisque moi c'est mon point d'appel, okay, quand c'est des filles qui créent, mais qu'est-ce qu'elles font? Et les garçons font la même chose. Très très vite, ça devient des duos mixtes. Parce que la mixité chez eux, c'est juste une évidence. Pas pour faire homme-fille, c'est simplement parce qu'il y a une altérité de compétences et que leur problème, c'est pour que ma start-up ait une chance de survivre et de se développer, je dois avoir toutes les bonnes compétences et notamment des surdoués et notamment des profils atypiques. Parce que dans cet environnement-là, ça fonctionne, ça fonctionne différemment et que ça marche beaucoup mieux. Autrement dit, des nouvelles compétences, RSE, intelligence économique, RH, droit, tout ce qui est technique digitale, oui, évidemment, qui n'était pas forcément la réflexion dans les CA, parce que les CA, c'était surtout, je vais prendre une image d'Épinal, hein, mais quand même, les bandes de copains, et que très longtemps, les entreprises françaises, les dirigeants français, n'avaient pas forcément compris, capté, qu'en fait, un CE, c'est une équipe bienveillante, avec des compétences et des gens qui vont aider le dirigeant à prendre la décision la plus adaptée en termes de stratégie, intégrant en effet tout ce que Daisy évoquait, c'est-à-dire une décision pérenne. Juste un truc pour que vous rigoliez. En tant que professeur-chercheur, avant de sortir quelque chose, je suis obligée de faire ce qu'on appelle l'état de l'art. L'état de l'art, c'est-à-dire que je lis tout ce qui a été sorti sur un sujet, okay, et après je vois si je peux apporter quelque chose de plus, parce que sinon c'est pas la peine de la solution. Donc là, je travaille sur mixité et performance. Ça fait 2 ans, j'espère sortir quelque chose en automne-novembre. Et je travaille avec une économétriste. Elle me sent les chiffres, elle mouline les chiffres, et moi j'interprète. Je prends une étude d'un financier chinois-américain qui a fait une étude sur 8000 entreprises de toute taille avec des taux de mixité de CA différents, de 0 à parfois 60%, okay, sur 5 ans. Et qui a identifié dans quelles conditions il y avait une corrélation ou pas avec un axe stratégique majeur d'une boîte qui est la croissance externe. C'est en gros les rachats de boîtes. Okay. Bon. Corrélation parfaite entre le taux de mixité et moins d'opérations de croissance externe, moins coûteuses et moins d'endettement. Et lui de conclure, donc la mixité dans les CA, c'est une perte de valeur. Parce que dans sa structure mentale des financiers,
la croissance externe, c'est cool, et donc il faut y aller. Et ma perspective à moi de juriste et travaillant avec Michel Barnier à l'époque où il était commissaire sur la gouvernance pérenne et donc de long terme, c'est l'interprétation absolument inverse. C'est-à-dire, elles ont pu questionner davantage et dire cette opération-là, elle a l'air sexy, en fait elle est risquée, il n'y a peut-être pas toutes les synergies, il peut y avoir des problématiques RH et il va y avoir des conflits, on n'est pas en situation de supporter un endettement, donc on n'y va pas, ou alors on négocie, on y va moins, et donc moi je dis que, j'aurais donc a priori eu la conclusion absolument inverse de ce chercheur donc américain chinois financier. Et donc quand je travaille sur mixité performance en ce moment, je travaille sur la performance au sens de l'investissement socialement responsable avec les critères de l'ESG, c'est-à-dire est-ce que la mixité apporte de la performance boursière, mais à moyen long terme, ce qu'on appelle le capital patient, hein, qui devient de plus en plus, qui est encore une denrée rare, mais qui doit être, et pour les startups et pour les grosses boîtes, avec les acteurs institutionnels, les business angels, etc., le moyen de créer de la valeur, mais pas pour 2 ans ou pour que les actionnaires s'en mettent plein les poches en faisant un coup pour 3 mois. Et donc on est sur un changement de paradigme et un changement de modèle. Merci Viviane. Daisy peut-être sur cette question-là, vous avez commencé à aborder. Oui, ce que je voulais dire, c'est que je suis tout à fait d'accord avec la puissance que peut donner une mixité au sein des conseils d'administration. Pour l'avoir vécu moi-même et avoir vécu un conseil d'administration familial où j'étais une femme à une période un peu exceptionnelle pour une femme, d'avoir été la décisionnaire avec un mari dans un autre domaine, un mari commercial, mais qui n'avait pas envie de s'intéresser à tout ce que je viens de citer et qui n'était pas d'ailleurs mise en exergue à cette époque. Il n'existait même pas de normes qualité en 1969. Hein, nous l'avons mis avant la lettre et nous avons respecté une partie de ce que je viens de dire avant même. Et je veux dire que je me suis aperçue finalement que pour arriver à respecter cette mixité et travailler en confiance hommes et femmes, indépendamment du fait que nous soyons mari et femme, il fallait d'abord le respect de l'expression de l'un et de l'autre, l'écoute, et puis à partir de ce moment-là, considérer quelle était la meilleure solution pour l'entreprise. À savoir qu'il y a toujours en point de mire la légitimité de la décision à prendre pour une entreprise pérenne, solide et sans trop de risques, parce que nous ne pouvons pas ignorer la part de risque. Nous prenons des risques tous les jours lorsque nous sommes entrepreneurs. Et je me suis aperçue finalement que tout ce que j'avais appris dans ce monde pneumatique, alors qu'étant une femme et ne connaissant pas du tout ni la technicité, ni le monde automobile et pneumatique, tout ce que j'avais appris, je le devais finalement aux hommes. Aux hommes qui m'avaient, par leur acceptation de mes savoirs et mes connaissances, légitimé par le fait et accepté, et s'étaient adaptés à mon mode de fonctionnement, et qui avaient accepter également de prendre ce que j'avais de bon et de me donner ce qu'ils avaient de bon. Je me souviens une fois, je trouvais les ateliers absolument détestables. Quand une voiture monte sur un pont, il faut qu'impérativement le client qui arrive dans un atelier trouve un atelier propre, etc. Puis j'avais trouvé l'atelier un peu sale, les ouvriers n'avaient pas, les techniciens n'avaient pas balayé les ateliers. Je suis carrément allée prendre le balai, j'ai balayé les ateliers, et puis 2 ou 3 personnes sont venues me voir en me disant « Non, madame, c'est pas à vous de le faire, c'est à nous, excusez-nous de pas l'avoir fait. » Et ça ne s'est jamais reproduit. Comme quoi, les petites choses entraînent des grandes causes. Si vous arrivez à être adaptable, à vous adapter, à les considérer pour ce qu'ils sont, et non pas pour ce que vous voudriez qu'ils soient, et que vous les aidez à grandir, en même temps que vous grandissez vous-même à leur côté en prenant des décisions tout à fait honorables et pour eux et pour vous, dans la parfaite légitimité de devenir de l'entreprise, il n'y a aucun problème de légitimité qu'on soit homme ou femme. Je vais juste compléter un petit point par rapport justement au conseil d'administration de la bande de copains. Parce que l'enjeu de la gouvernance,
Alors, ok, il y a les CAC 40, il y a un aspect législatif hein, qui impose les conseils d'administration, mais il faut savoir qu'aujourd'hui, je crois que c'est 90% des start-up et des PME sont SAS. Et SAS, ça veut dire toute liberté au niveau de la gouvernance, et donc pas nécessairement de conseil d'administration, pas de board, même pas de comité stratégique. Donc c'est encore plus intéressant voilà, de les encourager et de leur montrer qu'il y a un intérêt à avoir ces conseils d'administration, ces simples comités stratégiques. En tout cas, moi, c'est ce que je fais aujourd'hui, puisque je fais de la sensibilisation au niveau d'incubateurs qui accueillent des startups, et vraiment pour sensibiliser toutes ces SAS qui ont un intérêt, d'une part, à avoir un board, pour être un peu général, d'avoir un board diversifié et d'avoir des femmes dans ces boards. Et d'éviter absolument la bande de copains parce que ça n'est pas constructif et que la bande de copains ne va jamais challenger la directeur ou la directrice et va être plutôt bienveillant en laissant « oui, oui, tu as raison » plutôt que de le mettre à défaut en challengeant avec les bonnes questions vis-à-vis de la pérennité d'entreprise. Je veux juste préciser ça parce que la SAS, il n'y a pas aucune obligation légale d'avoir un board. Hein. Désir, vous voulez réagir à ça ? Oui, je voudrais réagir en disant que, bien entendu, la SAS est une structure juridique assez libre, mais encore faut-il que la rédaction des statuts permette cette liberté hein, et que ce soit prévu dans les statuts. Parce oui, il y a une alternative. Si ça n'est pas prévu dans les statuts. Il y a une alternative, c'est le règlement intérieur. Oui, oui, tout à fait. Enfin, il vaut mieux être assez large dans ces statuts de SAS pour permettre justement. Cette liberté opérationnelle qui n'entraînera pas de discussion entre les associés. Sur cette question de la structure juridique des SAS versus les startups, parce que finalement c'est eux et elles qui, si elles réussissent, vont créer la nouvelle économie hein, de demain. Et c'est pour ça que je fais tant. Voilà, il faut vraiment les aider partout où ces jeunes tentent des projets. La plupart du temps, au départ, et le temps, c'est parfois 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, hein, c'est du temps long, c'est une vision, c'est une équipe, hein, et c'est voilà, un nez qui fait. Mais il n'y a pas encore de chiffre d'affaires, il n'y a pas encore. Et donc, il est encore plus important, je suis complètement d'accord avec toi, Valérie, de s'entourer d'une structure, quel que soit le nom, on est d'accord, moi j'aime bien comité d'orientation stratégique, ça fait joli. Et puis quand on est un peu plus pérenne, ben ça va être un CA, on s'en fout. Mais en fait, c'est une équipe d'experts qui vont faire du mécénat de compétences parce que, voilà, moi, et qui vont apporter le réseau parce que les jeunes n'ont pas le réseau. Et c'est à ces conditions-là que ces jeunes vont, en étant épaulés, arriver à développer de la valeur et puis développer leurs produits, leurs services. Et donc, toutes celles à qui je parle et que je coach, je ne les oblige pas, je suis d'accord, mais je leur dis systématiquement, vous réfléchissez à 4 ou 5 personnes qui seraient pour vous des mentors, soit des experts techniques, soit des mentors. Okay. Après, au lieu de faire du one-to-one, pensez que ça serait pas mal que de temps en temps vous les réunissiez autour d'un café avec votre équipe, et finalement, se structure de manière totalement informelle, un comité d'orientation stratégique. On n'a même pas besoin de leur faire peur avec du droit. C'est du bon sens et ça, et en fait, ça fonctionne très bien. Merci. Oui, juste au-delà, ces startups ont souvent l'ambition de grandir. Hein, c'est ce qu'on souhaite, hein, avoir des pépites. Hein. Il va y avoir un moment où il va y avoir des entrées d'investisseurs, donc des personnes extérieures. Et ces investisseurs, ils ont 2 solutions. La première, c'est transformer purement et simplement la SAS en SA et d'imposer un conseil d'administration. Je vous assure que c'est pas touchy. Et la deuxième solution, c'est de voir que la start-up, elle a déjà cette mentalité d'avoir un board, d'avoir cet apport d'intelligence collective pour pouvoir définir la stratégie et ça change tout. Ça change tout vis-à-vis d'un investisseur. Et vraiment, le message est à faire passer. Et après, bah, c'est peut-être aller même jusque voilà, d'avoir un peu de rigueur, mais au moins d'avoir cette ouverture. Je voulais juste conclure sur l'aspect de diversité. Je voulais juste faire passer un message. Donc, on a bien vu que la diversité. On se connaît bien, tout m'autorise. Juste une petite phrase. Je vais laisser parler. Il faut rentrer dans l'échange. Oui.
la prochaine table ronde, c'est justement entreprendre au féminin. Hein, donc on demande aux femmes d'oser, d'avoir de l'audace pour entreprendre, exactement. Mais moi, j'aimerais faire passer un message quand même, c'est à tous les présidents et présidentes de conseils d'administration d'oser aussi prendre des femmes dans leur conseil d'administration, prendre de la diversité, des ingénieurs quand même, hein, mais également... Et également, je prends des primo-accédants, c'est-à-dire des femmes qui n'ont pas encore eu de mandat de conseil d'administration, et parce que ça va apporter vraiment du professionnalisme et vraiment une énergie qu'ils ne vont pas trouver ailleurs, plutôt que d'éviter d'avoir juste des gens qui tournent au niveau de plusieurs conseils d'administration et qui sont toujours les mêmes personnes. Voilà, merci Joël. Alors, je suis d'accord avec elle, mais le seul problème, c'est que le conseil d'administration, souvent, les administrateurs sont désignés par les propriétaires du capital. Donc c'est extrêmement difficile d'imposer cela à partir du moment où cette désignation est effective à partir de la puissance du capital portée par les propriétaires. Par contre, nous pourrions intervenir, et je regrette que la loi Zimmermann n'ait pas été plus loin, parce qu'il eût fallu qu'il y ait une parcelle de parité, au moins, dans les CODIR, dans les COPI, dans toutes ces organisations, qui impulse et qui met en œuvre la stratégie de l'entreprise. Or, il n'y a aucune exigence légale à ce niveau-là. Il y a la loi Zimmermann pour les conseils d'administration, mais absolument pas pour toutes les organisations de pilotage en interne qui mettent en application la politique du groupe ou de l'entreprise. Et ça, c'est dommageable. Parce que, justement, les femmes ont une facilité de communication sur leurs valeurs, et elles peuvent faire redescendre, quand elles sont en comité de pilotage ou en comité exécutif, l'information au plus bas niveau de l'entreprise et faire participer les gens et leur donner envie de vivre l'entreprise au lieu de la subir. Ce qu'on pourra peut-être résumer par le concept de « lead by example ». Je pense qu'on va passer aux questions. Alors, on a peut-être déjà répondu à énormément de vos questions, mais on serait ravis d'en prendre quand même quelques-unes. De toute façon, on ne sera pas rarement administrateur dans son entreprise, sauf si on est administrateur représentant des salariés ou représentant de l'actionnariat. Mais c'est de toute façon, on est toujours administrateur d'une autre société dans laquelle on travaille. Et il faut aller chercher les mandats, d'où la difficulté quand... c'est encore aujourd'hui, malheureusement, de la coopération et du réseau. Oui, tout à fait. Mais on peut arriver à faire passer des messages, comme aujourd'hui, où ça va peut-être un petit peu sensibiliser les présidents et les présidentes de conseil, même s'il n'y en a pas beaucoup, à aller chercher des administrateurs dits indépendants, c'est-à-dire qui ne font pas partie. Voilà. Outils techniques. Je pense que ça pourra venir parce que le vivier des femmes en capacité d'être administrateur pour remplir le quota des 40% est en train de s'épuiser et peut-être verrons-nous de nouvelles arrivées. Quelques petits tips, mais qui ne sont pas des recettes magiques. D'abord, et souvent les femmes oublient de le faire ou n'osent pas le faire, sur les profils LinkedIn, on le met en premier. Ensuite, on se positionne comme experte, par exemple dans le fichier des expertes, en rentrant son CV avec ses points d'expertise. On utilise les pulse LinkedIn pour faire un petit article de 2 pages sur un sujet d'expertise. Pourquoi ? Parce que les cabinets de recrutement, les secrétaires généraux et les dirigeants, quand c'est des boîtes plus petites, commencent à regarder, on parlait de vivier, à l'extérieur. Et l'extérieur, souvent en dehors de la cooptation, c'est-à-dire est-ce que tu n'aurais pas quelqu'un, ils commencent à aller regarder sur les réseaux sociaux. Et je peux témoigner du fait, étant sollicitée souvent pour des mandats et donc proposant un certain nombre de femmes, soit à des cabinets, soit à des entreprises directement, parfois des petites, mais parfois aussi des grosses, comme Air France l'an dernier, que je sais que de plus en plus, les cabinets, les professionnels sont en train d'aller regarder sur le web, exactement comme ils regardent sur le web pour des fonctions exécutives ou des nouveaux jobs. Parce que c'est un endroit où on trouve du monde. Donc soyez présents là, faites du réseau et faites connaître à votre réseau le fait que vous avez envie de parlez-en aussi à votre entreprise parce que c'est très
enfin, je déconseillerais très fortement d'aller chercher un mandat si l'entreprise n'est pas au courant et n'est pas OK avec votre démarche. Ça peut vraiment être extrêmement gênant. Il faut avoir un certificat. Non, c'est pas bien. L'histoire du certificat, c'est vrai que c'est assez féminin. Mais dans le sens, on va chercher des compétences, on va essayer de se légitimer par le certificat ou par la formation ESSEC. Oui, disons que c'est quand même la tendance anglo-saxonne. Hein, les administrateurs indépendants sont certifiés, donc on a voulu faire la même chose avec formation IFA Sciences Po, formation ESSEC dédiée. Il y en a maintenant deux ou trois autres. C'est pas obligatoire. Moi, je sais que j'en refuse. Quelquefois, je dis votre parcours, vous n'allez pas venir. C'est ridicule. En revanche, travailler sur votre posture et votre visibilité. Donc, il faut regarder au cas par cas. Oui, après, c'est moi, je cherchais plus une légitimité et puis un apport de compétences aussi, parce qu'étant ingénieur, je n'avais pas forcément les compétences en droit, en juridique, en finance. Et donc, ça complète bien toutes les facettes de ce qu'on demande à un administrateur du conseil. Voilà. Alors, on a une deuxième. Être en veille et actualiser ses connaissances en permanence en lisant. Non, ça va aller très vite, puisque ma question posait justement, je rejoins qu'on parlait de gouvernance équilibrée, de mixité, de pouvoir, mais finalement je m'interrogeais sur la notion d'influence. Je me disais, est-ce qu'on est bien au clair avec cette notion d'influence? Bon, je tends à croire qu'on commence un peu à y répondre, donc je laisserai la parole à d'autres questions. L'état d'esprit d'un conseil d'administration, ce sont des décisions collégiales. Et là, on commence à avoir de l'influence, puisque on va poser des questions, et souvent les femmes osent poser des questions que les hommes ne posent pas, et d'aller un petit peu challenger. Voilà. Je vais plus loin parce que j'ai quand même une ancienne carrière de lobbyiste avant. Hein. Donc, influence, c'est aussi ne pas rester, parce que les compétences, c'est bien, on vous reconnaît votre légitimité. Mais un CA, c'est une équipe. Dans n'importe quelle équipe, il faut avoir des copains. Se créer des copains, faire des stratégies d'alliance pour pouvoir influencer. Ma question n'était absolument pas anodine. Et bien évidemment, je souhaitais vous emmener vers cette logique. Et peut-être avez-vous un développement un peu plus conséquent à nous proposer? Alors, moi j'ai une suggestion, mais que je fais de manière publique. D'ailleurs, à partir de lundi, là, j'ai des tribunes qui sortent dans l'Option Finance. Je sors 8 tribunes. Parce que c'est la saison des AG, donc c'est le moment de pousser ces questions-là. Et je travaille notamment sur l'activisme. Donc là, c'est plutôt les actionnaires en AG. Il me semble que dans un conseil d'administration digne de ce nom, tous les primo-accédants, femmes, jeunes, nouveaux, et hommes cravatés, la soixantaine, mais nouveaux, tous les primo-accédants, et notamment les notateurs salariés, parce que franchement, c'est pas facile pour eux, devrait être mentoré par un ancien de manière à ce qu'il accélère sa formation sur le terrain. Et je pense que là, c'est fait beaucoup en Allemagne. Et je trouve que là, en France, notre culture individualiste est bad point. Et que, proposer tout simplement que un plus âgé ou une plus âgée prenne sous son aile. Une ou un primo-accédant, ça pourrait aider pas mal. Et on va être obligé d'arrêter la table ronde pour pouvoir traiter le sujet suivant. On va remercier nos intervenants qui ont été vraiment...